Merci, professeur Prochian. Comptez sur nous pour faire passer le message. Enfin, on a une journée pour le faire, donc avec des tas de débats et beaucoup d'intervenants. François de Biesse, président exécutif d'Amical. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors, on se retrouve pour la deuxième année. Ce sera, je dirais, une nouvelle belle journée, parce que nous, pourquoi nouvelle ? On s'est déjà retrouvés ici même, dans ce haut lieu, l'année dernière pour le premier Mécène Forum. Nous en sommes à la deuxième édition. On avait pu constater l'année dernière, sous tous ses aspects, l'effet, je dirais, levier du travailler ensemble, loin de l'individualisme. Et je serais tenté de dire que jour après jour, semaine après semaine, et année après année, ben, ça se confirme, finalement, avec le mécénat. Effectivement, le mécénat est en train de devenir un levier de plus en plus important de changement social. Changement dont il n'y a pas besoin de s'apesantir longtemps, nous avons d'urgent besoin. Et je suis très heureux que cette journée puisse avoir lieu ici, dans ce Collège de France. Je vous avais dit l'année dernière que quand j'ai eu la chance de pouvoir y venir, j'étais tombé en amour avec cette maison. Eh bien, ça ne se dément pas. Je pense qu'on est ici dans un lieu d'excellence en matière aussi bien de pédagogie, ça tout le monde le sait, que de recherche. Il y a des équipes ici qui font un travail absolument exceptionnel dans différents domaines. Et pouvoir faire notre manifestation annuelle dans ce lieu, entouré des professeurs du Collège de France avec lesquels nous avons beaucoup travaillé cette année sur la préparation du programme et sur ce que vous allez entendre ce matin, eh bien c'est une chance exceptionnelle. Donc je suis très heureux, c'est une maison qui est à la fois historique, qui est un symbole en France et qui est une maison extraordinairement jeune, où il se passe des choses sans arrêt. On va parler de recherche et d'innovation. Ben, ici, recherche et innovation, c'est le quotidien. Et donc, vraiment, notre présence ici ne doit rien au hasard. Alors, justement, j'allais vous poser la question. Le fil rouge, le fil d'Ariane de cette journée de travail, de réflexion et d'échange, c'est justement l'innovation, la recherche. Ce n'est pas choisi par hasard, finalement. Non, ce n'est pas choisi par hasard, effectivement. Quand on est au Collège de France, le terme de recherche vient très rapidement. Mais ce que nous souhaitions, c'est effectivement une journée interactive qui nous permette de réfléchir ensemble sur la place que peut tenir l'innovation dans la société d'aujourd'hui. On voit que notre modèle socio-économique est confronté à un certain nombre de blocages par rapport auxquels il faut savoir trouver des solutions nouvelles, des solutions innovantes, des solutions rassembleuses, parce que je pense que c'est un point absolument majeur aujourd'hui que d'amener tous ceux qui sont partie prenante à l'intérêt général, comme on dit, à travailler ensemble sur les évolutions nécessaires de la société. Et donc, ce qu'on a voulu faire ici, c'est se donner une occasion de réflexion commune. Les entreprises ont un rôle évident à jouer, par-delà leur rôle économique, qui est le pivot de leur activité, mais par-delà ont un rôle de société à jouer, un rôle qui sera de plus en plus important. Je pense que les citoyens que nous sommes ont aussi un rôle très important à jouer, et donc il était fondamental de réfléchir à comment l'innovation peut permettre à la société de bouger dans le bon sens, et Dieu sait qu'elle en a besoin. Parce que le mécénat ne peut rien faire sans les partenaires, finalement. C'est à la base de tout, il y a les partenariats, les collaborations. Le mécénat, c'est un rassemblement de ressources. On a tendance à penser exclusivement aux ressources financières que le mécénat peut apporter à des projets de société. Mais par-delà, le financier, il y a aujourd'hui toute la ressource humaine que peut représenter le mécénat aussi. Le mécénat, c'est de l'apport en argent, mais c'est aussi de l'apport en compétences. C'est de l'accompagnement, et il y a de plus en plus besoin, si on veut être efficace, si on veut que la société bouge, de plus en plus besoin de cet accompagnement qui permet à chacun, aux entreprises comme aux particuliers, de s'engager. Je pense que ce terme d'engagement va être un peu au cœur de nos discussions de ce matin. Eh bien ça, le mécénat le permet, le mécénat il est rassembleur, le mécénat il est un formidable créateur de liens, et notre société, elle manque épouvantablement de liens. Et donc, ce n'est pas une solution universelle, mais c'est un élément de solution très important qui permet de rassembler les énergies autour de projets de société positifs. Et ce lien, ce sera aussi un échange tout au long de cette journée, particulièrement ce matin, à travers les différentes plénières, les différentes tables rondes, puisqu'il y a une interactivité possible. Vous verrez donc régulièrement s'afficher sur l'écran un code, donc hashtag Mécène Forum, pour pouvoir échanger en temps réel. Merci beaucoup, François Debiesse. Merci.